Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel étrange voyage. Aujourd'hui, nous vous invitons à nous accompagner dans un monde totalement nouveau, un monde étrange, rempli de mystères, d'énigmes et d'intrigues. En gros, tout ce qu'on adore. Et ce monde, coloré, enfantin et bien que simplissime au premier abord, cache des choses, beaucoup de choses. Et c'est cela que nous allons découvrir aujourd'hui. Allez, il n'est pas besoin d'en dire plus, il est temps pour nous de nous plonger dans ce nouvel étrange voyage, dans l'univers de Welcome Home. Cela fait quelques semaines que Alter et moi avons vu émerger ça et là d'un peu partout sur plusieurs chaînes YouTube un ARG à la plastique enfantine dont la pertinence semble en avoir intrigué plus d'un. Welcome to another Welcome Home video. You have details about all the secrets you can find on this. Well, some of my personal theories, which did scarily well, like holy cannoli, I'm scared. No, but in all seriousness, thank you guys so much. I came upon this energy just from what to expect to go full. Welcome Home is a horror project that focuses on unraveling the mystery. Alors pour rappel, un ARG signifie un jeu de réalité alternatif, en français. Et l'ARG peut se retrouver sous plusieurs formes. L'ARG peut être une websérie, un lost media, une chaîne YouTube, une chaîne TikTok, voire un compte Twitter. Et dans notre cas aujourd'hui, eh bien ce sera un site internet. Le point commun entre tous ces supports pour que cela devienne un ARG, nous fasse rentrer dans le monde d'un ARG, c'est que l'on y retrouve la notion de jeu. Ce jeu consistant la plupart du temps à la découverte d'indices sous toutes les formes possibles et imaginables, lesquels nous mèneront de plus en plus en profondeur au sein de l'histoire qui nous est proposée. Notre but à nous en tant que joueurs étant de faire le tri entre toutes les pistes qui nous seront données, pour remettre les pièces de puzzle en place et ainsi découvrir le fin mot de l'histoire, un petit peu comme une sorte de Cluedo. Welcome Home, qui se traduit par Bienvenue à la maison, est un site internet qui nous accueille dans un monde dont la patte graphique ne nous est pas totalement inconnue. On retrouvera par exemple ici les personnages de Gonzo, celui de Miss Piggy, celui de Scooter, provenant de la série iconique Les Muppet Show, ou encore Flagada Jones, lui provenant de l'univers de Disney, et plus précisément de la bande à Picsou. Ou encore sur cette image où l'on voit Ernie et Bert, deux personnages d'une autre série d'anthologie, 5 rue Sésame ou Sesame Street dans sa version originale. Et au milieu de tout ce fatras de personnages connus, on retrouve des personnages totalement originaux, qui n'ont pas de lien direct avec une autre série extérieure au monde qui nous attend. Puis nous retrouvons une peluche. Une seule petite peluche. Une peluche qui nous est jusqu'alors inconnue, mais qui ne va pas le rester longtemps. Une peluche au trait arrondi, aux couleurs pastel, à la patte graphique proche de celle des Muppet Show ou des personnages de Sesame Street. Son nom, Wally. Et nous découvrirons un petit peu plus tard, en plongeant un petit peu plus loin dans cette histoire, qui est ce fameux personnage, Wally, au sein de l'histoire de Welcome Home. Lorsque nous faisons face à un tel site, la première chose qu'il convient de faire, c'est d'en comprendre sa structure. Pour cela, nous utilisons un site internet tout simple qui s'appelle Visual Site Mapper, qui nous permet d'avoir et de découvrir une vue d'ensemble de ce à quoi ressemble le site. Une fois l'URL du site rentrée, nous sommes face à une sorte de cartographie représentant l'ensemble du site internet. Chaque point étant une page visible et directement accessible de ce dernier. Et chaque trait nous indique qu'il existe un lien direct entre ces pages. Ce que l'on peut voir d'emblée ici, en comptant les points, c'est que le site internet compte environ une trentaine de pages. Et, on vous le dit tout de suite, toutes contiennent beaucoup d'informations très mystérieuses. Alors, restez accrochés à cette vidéo, elle va être longue, mais on va aller très très loin dans les détails. Précédemment, nous vous avons montré cette page, comme étant la page d'accueil du site. Car c'est cette page que nous présente le créateur du site comme étant le point d'entrée de ce dernier. Salut, mon nom est Clown. Je suis un artiste et je travaille dur pour vous offrir un meilleur lendemain. En ce moment, je suis en train de créer le projet Welcome Home, ainsi que plein d'autres choses terrifiques. Mais cette page d'accueil, ce point d'entrée, n'est pas réellement le vrai point d'entrée. En fait, le vrai point d'entrée se trouve ici. On y découvre un joli message. Hello neighbor, come in. Qui se traduit grosso modo par « Bonjour voisin, entrez donc !» Puis, il y a ce dessin.
Cette maison dont la cheminée allumée fait ressurgir par son ouverture une fumée bleuâtre. Mais surtout cette façade anthropomorphique avec ses yeux qui nous observent au travers de ses deux fenêtres. Et cette porte, telle une bouche fermée, muette. Voilà la porte qu'il faut emprunter pour expérimenter Welcome Home de comme il se doit. Voilà le point d'ancrage qui va nous faire tranquillement basculer de l'autre côté. Mais Welcome Home est un site vivant, un site qui évolue avec le temps. Il n'est pas immuable, il se transforme, s'adapte, se peaufine. Puis il déborde de son cadre pour nous mener vers d'autres pages. On retrouvera le compte Twitter de Clown, le créateur de Welcome Home, un compte Picarto, qui est un site de streaming, un compte Ko-fi, qui est un site de financement participatif, un compte Instagram, nommé Party Coffin, qui se traduit par la fête dans le cercueil, mais qui ne possède aucune publication, et enfin une page Tumblr. Ce que l'on voit et ce que l'on comprend en regardant cela, c'est que Clown s'est en quelque sorte développé sur plusieurs plateformes pour faire avancer son projet. Mais malgré qu'il se soit ainsi déployé sur le web, et tel qu'il le dit ici, « Tout ce dont vous avez besoin pour le moment pour participer à Welcome Home, pour l'instant, est le site internet. Je vous recommande d'y aller pour interagir par vous-même. Creusez, défaites-le en morceaux et appréciez. » La seule chose dont nous avons besoin est le site internet. Alors, allons découvrir ensemble ce qu'il propose. Le site internet, donc, comme on l'a dit plus tôt, se compose d'une trentaine de pages visibles et de plusieurs liens, eux, cachés que nous découvrirons à la fin de la vidéo. Mais pour mieux comprendre et y voir un petit peu plus clair dans ce méli-mélo de pages, nous avons décidé de les trier en quatre grandes catégories. Nous retrouvons par exemple la catégorie Character, nous présentant les personnages du jeu. La catégorie Guestbook, dans laquelle nous retrouvons une multitude de messages en direction des personnages de Welcome Home. Ensuite, on trouvera une multitude de pages informatives, ainsi que plusieurs pages d'artwork permettant de développer le monde de Welcome Home. Puis enfin, nous trouvons trois pages à part, un peu étranges, que nous verrons plus tard. Lorsque l'on découvre ce site pour la toute première fois, on est tout de suite envoûté par ses couleurs chatoyantes, ses dessins aux courbes arrondies et son style enfantin proche de ce que l'on trouve dans les shows américains que sont le Muppet Show, Sesame Street ou bien encore Mr. Roger Neighborhood, un autre show pour enfants développé de 1969 à 2001 qui partage non pas la même patte artistique que Welcome Home, mais le même état d'esprit. En tout cas, en surface. Et la question que l'on se pose est, est-ce que tout cela vient d'un show ou d'un dessin animé? Welcome Home était un programme de télévision américain pour enfants produit par The Playfellow Workshop, dont le studio n'a servi qu'à la production du show. Apparemment, le premier épisode serait sorti le 11 octobre 1969 et fut diffusé sur une chaîne inconnue jusqu'à son épisode final, aux alentours de 1974. Eh bien, voilà au moins une réponse que l'on peut apprécier à sa juste valeur. Nous avons donc là toutes les informations nécessaires, le nom du show, le nom de la maison de production, ainsi que les dates de parution du show. Mais là, Alter, c'est toi qui as fait les recherches sur ce point, et il me semble que tu es tombé sur un souci, non ? Eh bien, en effet. En effet, parce que, une fois ces informations en main, je suis donc allé rechercher sur Internet si nous pouvions trouver des infos sur le show ou sur la boîte de production. Mais rien n'est apparu. Le show n'a jamais existé, pas plus que la boîte de production. Nous faisons donc apparemment, je dis bien apparemment, parce que vous allez voir que le doute est permis, ici face à une fiction construite de toutes pièces. Nous apprenons que cette fiction met en avant une communauté appelée les Neighbors, habitant dans un village appelé Home. Ce village possède un bureau de poste ainsi qu'une boutique appelée Bodega et plusieurs maisons. Alors, pour détail, il est indiqué parfois que le village s'appelle Home, mais parfois le village s'appelle Neighbor. Mais de temps à autre, il est également indiqué que Neighbor ou les Neighbors sont les habitants du village. Car vous allez voir un peu plus tard que Home, c'est éventuellement autre chose. Quelque chose de bien plus intriguant. Donc de vous à moi, le village va s'appeler soit village, soit Neighbor. Les personnages auront chacun leur prénom. Et Home, on verra ça plus tard. L'histoire met en avant plusieurs protagonistes, que sont Julie, Wally,
Sally, Poppy, Howdy, Barnaby, Eddie, et enfin le seul personnage qui n'a pas son nom sur cette liste, qui se trouve sur le site internet, Frank, qui est également à noter le seul personnage dont le prénom ne se termine pas en I. Le site internet que nous visitons en ce moment a été créé par un certain clown, de son vrai nom, Dylan. Salut, mon nom est Dylan, je suis un artiste du nord de la Californie spécialisé dans les illustrations et le design de personnages. Entre des commandes privées et mes cours d'université, je prends du temps pour créer des histoires et des dessins, tous macabres et délectables. J'aime coudre et construire des peluches. Mais ce dernier apparemment n'est pas seul, il est également accompagné d'une équipe. Et leur but, ensemble, est de restaurer tout ce qui touche de près ou de loin au monde de Welcome Home. Qui êtes-vous ? Pour des raisons personnelles, notre petite équipe, appelée le WHRP, a préféré rester anonyme pour notre propre sécurité. Nous souhaitons restaurer Welcome Home et nous concentrons à plein temps sur ce site. Le sigle WHRP, que nous utiliserons régulièrement sur cette vidéo, signifie The Welcome Home Restoration Project, ou le projet de restauration de Welcome Home. Et c'est eux qui sont à la base de toute cette histoire. Enfin, attention, pas l'histoire de Welcome Home, l'histoire du site internet. Avec à leur tête ce jeune homme appelé Dylan, que nous appellerons, tout au cours de la vidéo, Clown. Et ce projet de restauration, bien que virtuel en apparence, nous apporte énormément de preuves de l'existence de Welcome Home en tant que show. Ce qui tente à prêter à confusion quant à l'existence réelle de ce show, ou pas. Qui sait, hein, peut-être que ce dernier, en fait, au bout du compte, était trop deep, trop dark, en fait, et qu'il a totalement été effacé de notre réalité. Sait-on jamais. On retrouvera par exemple ces images présentant ici un vieux sketch restauré en couleur. Ou encore ici un canevas délavé sur lequel a été tirée cette image interprétée. Ou encore cette collection d'images. L'équipe de la WHRP s'affaire à mettre tout cela au propre et s'efforce à récolter ça et là tout ce qui a trait et tout ce qui touche au monde de Welcome Home. Mais en creusant dans le passé, ils vont se mettre à découvrir le côté sombre de cette série, qui, bien que présentant des personnages tout sourire, semble cacher quelque chose que nous allons découvrir au sein même de ce site internet. Mais pour l'heure, regardons un peu ce que donne cette histoire en surface. Nous avons présenté un petit peu plus tôt toutes les pages internet les plus accessibles que contient ce site, en surface. Et bien entendu, c'est au travers de ces pages que nous allons commencer à pêcher les premières informations qui vont nous permettre de comprendre le show en lui-même, ainsi que son état d'esprit. En apparence, Welcome Home présente un monde idéal, un monde coloré. Les traits dépeignant ce monde sont arrondis afin de rappeler que rien ici ne peut faire de mal. Nos personnages y vivent en harmonie, dans la paix et la sérénité. On y retrouvera Barnaby, dit Barnaby B. Beagle, étant présenté comme le meilleur ami de Wally, avec lequel il partage une palette de couleurs similaires ainsi que le dessin d'un cœur dans la paume de ses papates. Barnaby a rejoint le village Home après avoir quitté un cirque. Puis il y a ce fameux Wally, Wally Darling de son vrai nom, personnage préféré de Clown. Mais également le personnage emblématique de la série. Il sourit tout le temps, il est difficile de lui dire non, ses passions sont la peinture et le dessin, et il est le seul personnage à habiter une maison vivante. Maison dont nous parlerons plus tard, connue sous le nom de Home. Voici donc enfin pourquoi on ne va pas utiliser le mot Home pour décrire le village, car Home est ici, a fortiori, un autre personnage. Poppy Partridge. Et le personnage pessimiste, quelle que soit l'issue d'une discussion, elle y verra toujours le côté négatif. Malgré un plumage des plus colorés, lui donnant un aspect chatoyant et bienheureux, elle passe le plus clair de son temps dans sa grange où elle tricote ou cuisine. Eddie Deer est le postier du coin. Il a bon caractère, il est connu pour faire des blagues et toujours apprécié à sa juste valeur la vie et le temps qui passe.
son seul petit défaut étant d'être un tantinet maladroit. Sally Starlet est sans conteste le personnage le plus turbulent de la série. Elle était autrefois l'une des étoiles les plus brillantes du ciel avant de rejoindre le village Neighbor pour d'obscures raisons. Ses talents vont de pair avec sa personnalité. Elle chante ou joue les actrices pour le bonheur de tous et de toutes dans le village. Jolly Joyful est sans conteste la plus enjouée de tous les personnages du village de Neighbor et la plus heureuse. Elle est, entre autres, la meilleure amie de Frank. Malgré son côté joyeux, son passé cache une part un peu plus sombre. Julie, selon l'histoire de Welcome Home, aurait grandi avec sa famille dans une grotte, loin dans les profondeurs de la forêt entourant le village. Elle aurait un jour quitté sa famille pour venir rejoindre Neighbor. Elle serait, au regard des habitants, vue comme étant une fleur. Howdy Pillar est un mille-pattes qui a trouvé sa place au sein du village en ouvrant une boutique fourre-tout. C'est là que les habitants vont se rendre lorsqu'ils sont à la recherche de quelque objet ou denrée que ce soit. Il a tout et toujours au meilleur prix. Il vient d'une famille nombreuse, très nombreuse, ayant grandi au sein d'une pomme. Enfin, il reste un dernier personnage, Frank Frankly, le meilleur ami de Julie Joyful, mais également son némésis en termes de caractère. Contrairement à Julie, qui est connue pour sa joie de vivre, Frank, le dévoreur de livres, est connu pour être ronchon, toujours à grommeler sur tout et rien. Sa passion, les papillons. Il est à noter que Frank est le seul personnage à la mine grisâtre, au sourire inexistant. Il est le seul dont le nom n'apparaît pas sur la liste des habitants du village proposée par le site que nous vous avons montré plus tôt. Puis il reste enfin ce dernier personnage, hein, ce personnage mystère on va dire. Son nom, Home. Home est le lieu où habite Wally, le personnage principal de l'histoire. Home se trouve au milieu du village. Mais Home, contrairement aux autres maisons, possède des yeux. Elle regarde, elle observe. Personne ne semble lui parler. Personne ne semble interagir avec elle. Et pourtant, elle est là, présente, au centre de tout. Maintenant que nous connaissons le monde de Welcome Home dans sa surface, ce qu'il représente, ce qu'il nous montre, il est temps pour nous de plonger un petit peu plus dans son côté sombre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans certaines images que nous vous avons présentées, se cachaient déjà diverses étrangetés. Par exemple, sur cette image, de laquelle rien de spécial ne semble se dégager, on y voit une photo de la peluche de Wally. Rien ici ne paraît bien mystérieux en apparence, et pourtant, cette image est la prémisse à une question concernant la personnalité de Wally. Pour cela, il faut se pencher sur ce qui est inscrit à côté de son visage. On y voit les mots « goodbye », signifiant « au revoir ». Ces mots ne semblent n'avoir absolument aucune portée si on les prend en tant que tels, mais souvenez-vous que le titre de la série, c'est « Welcome Home » ou « Bienvenue à la maison ». Pourquoi alors ici Wally semble nous donner un message qui va à l'encontre de l'état d'esprit de la série ? Pourquoi Wally voudrait-il nous pousser vers la sortie plutôt que nous accueillir ? Cacherait-il quelque chose ? Si vous n'êtes pas convaincu par ce que je viens de dire, parce que vous trouvez que cela est un détail absolument sans importance, alors regardez bien cette suite d'images que nous vous avons déjà montrées. Avez-vous prêté attention à l'écriture qui se trouve en bas de chacune des images ? Toutes nous proposent de retourner à la page précédente, en cliquant sur les mots « Go back » présentés sous la forme de lettres colorées. Sauf Wally qui nous propose de partir, de ne pas rester sur sa page avec son « Goodbye » écrit en lettres noires. De plus, de tous les personnages présentés ici, sur ces différentes images, Wally est le seul à voir son regard tourné vers nous. Il s'adresse donc à nous directement. « Au revoir, veuillez partir d'ici ». Est-ce une mise en garde ? En tout cas, il y a clairement ici une introduction à quelque chose de louche, de sombrissime. De plus, sur l'image de Wally, nous voyons en bas à droite sa maison, ou le neuvième personnage, Home, seule maison dont le regard se balade sur l'image. Seule maison, rappelons-le, possédant des yeux. Merci.
parlant de Home. Sur cette image, présentant le village, nous voyons que quelque chose paraît déborder d'en dessous de la maison de Wally. Une ombre rampante semble vouloir émerger d'en dessous. Si l'on prend un téléphone portable et que l'on regarde cette même page du site, alors on s'aperçoit qu'un trou béant gît en dessous de Home. Une entre vers un autre monde, un portail vers le côté sombre de Welcome Home. Et si l'on clique dessus, alors nous sommes emportés quelque part, ailleurs, dans un endroit morne, obscur, dans lequel l'œil de Home, tremblant, observe un Wally dessiné au trait rouge sanglant, tendant le bras comme s'il cherchait à atteindre quelque chose. Et ce lieu porta un nom, So Below, ou L'en dessous en français. Mais, cher Yann, ce n'est pas tout ce que l'on retrouve sur la carte de ce village. Si vous cliquez sur le mot « You » dans le texte au-dessus, vous tomberez sur une page sur laquelle rien ne se passe, jusqu'à ce qu'un texte apparaisse. Wally est votre meilleur ami. Wally nous regarde, droit dans les yeux, nous demande de partir, mais il est notre meilleur ami. Voilà de bien contradictoires informations. Et soudainement, le côté joyeux et enjôlé de la série prend une grosse claque, prend une autre tournure. Nous venons de trouver une porte d'entrée vers autre chose. Il existe au travers du site plusieurs étrangetés nous présentant un monde autre que celui que nous vous avons présenté en surface. Moi personnellement, justement, à propos de ça, j'ai passé quand même pas mal de temps à m'interroger face à ces pages, lesquelles contiennent des messages de fans ayant écrit directement au protagoniste de Welcome Home. Ces pages, au premier abord, ne semblent contenir que quelques textes et de temps à autre, on y retrouve des dessins. Mais en fait, c'est faux. Car il apparaît que parfois, certaines images, si on les ouvre avec l'option « éléments » de Google Chrome, qui nous permet donc d'inspecter l'élément, eh bien, ces images nous offrent un texte, une réponse au message auquel il se rapporte. Alors, pour exemple, ce message. « Barnaby, oh, je l'aimais tellement quand j'étais tout petit. Merci de me permettre de replonger dans de si beaux souvenirs. » Si l'on inspecte l'élément, alors on retrouvera cette réponse cachée. « Tu l'aimes ? Tu te souviens ?» Et des petits mots de la sorte, il en existe plus d'une quarantaine. Et plusieurs d'entre eux ne feront qu'épaissir le mystère entourant Welcome Home. Allez, en voici quelques exemples. Je suis super excité de voir ce qu'il va se passer. Il n'est pas encore temps. Je regarde. Où suis-je? Quelle est cette place? Si quelqu'un lit ces lignes, s'il vous plaît, aidez-moi, je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Il y a des gens? Enfin, je pense que ce sont des gens. Il ressemble à d'étranges marionnettes de notre enfance, mais si quelqu'un lit cela, s'il vous plaît, aidez-moi. Pourquoi racontes-tu des mensonges? Tu n'es pas là? Je ne te vois pas? S'il te plaît, ne me mens pas. Salut Wally, toi et tes amis semblaient vraiment être de bonnes personnes. Quel est le meilleur souvenir que tu aies avec tes amis? Aucun. Voilà donc quelques exemples de ces mystérieuses réponses, qui tendent à nous montrer qu'au bout du compte, tout cela ne va pas si bien que ça dans le monde de Welcome Home, que tous ne sont sans doute pas aussi amis que ce qu'ils nous montrent. Les apparences sont parfois trompeuses, mais ce n'est pas le seul mystère que l'on trouve dans ces pages de guestbook, car la huitième page, elle, contient des encarts vides, dans lesquels rien ne semble présent. En apparence, car si l'on fait un petit CTRL-A sur notre clavier, alors il va apparaître ces deux messages. Tu ne répondras pas? Et enfin... Tu me cherches, pauvre fou, pauvre fou. Et ces messages signés Wally, d'ailleurs, c'est marrant parce que Wally est écrit avec des caractères différents dans l'un et l'autre des messages, en tout cas ces messages semblent nous être adressés directement. Sommes-nous les pauvres fous de trop vouloir fouiller sur le site, trop en savoir sur le passé de Welcome Home? Thank you.
Les messages que nous avons vus jusqu'alors ne sont pas les seuls messages cachés, loin de là. Sur cette image, on peut lire ici, en bas à droite, dans le bas de page coupée, « Hello you ». Cet acrostiche accueillant ne nous révèle rien, mais elle nous montre bien que nous sommes ici en présence d'un ARG. Et que ce dernier en plus possède quelques fausses pistes, quelques faux indices pour nous mener en bateau. Et si je dis cela, c'est parce que ce message, hein, « Hello you », ne semble vraiment nous mener absolument nulle part. Enfin, je crois. Puis il y a cette autre image, sur laquelle nous observons une pile de livres. Lesquels ne semblent rien révéler d'intéressant, sauf que certains utilisateurs de Tumblr, nommés Cable et DigenCool, ont réussi à en déchiffrer une partie. Hello, est-ce qui tu sais? Je suis ton voisin. Penses-tu à moi? Je te vois. Sur la page intitulée « About Us », ou le fameux « À propos », si je traduisais en français, nous retrouvons pas mal d'autres messages. Par exemple, sur cette question. « Comment avez-vous commencé vos recherches sur Welcome Home ?» La personne va répondre que leurs recherches ont débuté suite à l'ouverture d'enveloppes colorées. Sauf que la personne répondant à cette question va faire quelques petits ajouts supplémentaires, avec ces quelques mots-clés. « Mais ça fait mal !» Et un peu plus bas sera posée une autre question. Pourquoi avez-vous fait ce site? Mais la réponse est brouillée. Impossible de la lire sans l'utilisation d'un subterfuge, faisant apparaître le texte suivant. Lorsque j'ai déballé la première lettre, je l'ai senti, je l'ai entendu. Ouvre, ouvre, ouvre! Je le veux en dehors, je vais le sortir. Ici, le message fait donc référence aux lettres, aux fameuses enveloppes colorées qu'ont reçues l'équipe de la WHRP. Ces mêmes lettres qui leur auront, d'après leur dire, donner l'envie de faire des recherches sur le monde de Welcome Home. Et cette lettre fut la toute première qu'une des personnes de l'équipe a eue entre ses mains. S'agissait-il de Clown? Je ne sais pas. Cette lettre lui aurait apparemment parlé, elle se serait exprimée, elle lui aurait insufflé l'envie de se faire ouvrir, pour libérer quelque chose. Un petit peu, Yann, un petit peu comme dans l'histoire de la boîte de Pandore, quand on y pense. Ouais, un peu comme ça en effet. Mais ce n'est pas tout, car il y a une question cachée suite à cet événement, que quelqu'un ou quelque chose a posé en fin de réponse. Est-ce que cela fait mal? Alors c'est très étrange parce qu'en fait, la personne semble demander si après l'ouverture de cette fameuse lettre, donc après la libération de d'on ne sait pas quoi exactement, et elle demande est-ce que ça t'a fait mal? On sent qu'ici, un scénario se dessine peu à peu, impliquant sans doute un petit peu plus que ce que l'on pense, Clown et son équipe, la WHRP. Enfin, il existe une autre question qui nous cache une autre réponse. Savez-vous combien d'épisodes de Welcome Home existent-ils? La personne répondant aux questions indiquera que, vu que tous les épisodes sont des Lost Media, il est très difficile pour eux d'en connaître la quantité exacte. Puis il sera ajouté ceci à la fin. Les chiffres sont difficiles à avoir, souvent. Je ne peux les percevoir. Aucune indication ne nous est indiquée concernant ces chiffres. Que sont-ils? D'où viennent-ils? Eh bien, sauf que nous avons sans doute un début de réponse. Car c'est en fouillant le site internet que Yann et moi avons découvert quelque chose de fort intéressant. Des chiffres cachés. Enfin, cachés, pas exactement. Plutôt difficile à voir, exactement comme il est inscrit dans le message précédemment lu. Pour cela, il faut se diriger vers la page des sketchs. Et c'est en cliquant sur chacune des images que l'on se rend compte qu'en haut à gauche se trouve un chiffre inscrit en jaune pâle. À quoi peuvent-ils correspondre? À cela, nous n'avons hélas aucune réponse. Nous laissons donc cette énigme entre vos mains. Et on y réfléchit bien entendu de notre côté. Il existe, tout au travers du site, au travers des écritures inscrites sur le site, quelques lettres qui se diffèrent des autres, les entourant, car elles sont décalées, soit elles sont un peu plus hautes, soit elles sont un peu plus basses. Nous retrouverons par exemple ici le Y dans la phrase « Your fellow neighbor », le W ici dans « Wally speaking »,
le X de Expand, le O dans le titre About Us, le E dans News et enfin le V dans I Love You. Et ces lettres sont des clés, littéralement des clés, qui vont nous permettre d'avoir accès à des pages cachées sur le site internet que nous ne pouvions encore voir jusqu'alors. Pour les utiliser, rien de plus simple, on prend ces lettres, on les met dans un certain ordre et on les applique derrière l'URL clownillustration.com/ et là on met les lettres. Eh bien, voici vers où ces fameuses lettres vont nous mener. En ajoutant les lettres dans cet ordre, nous tombons sur une page qui est un ersatz des pages d'erreur 404, sur lesquelles on tombe lorsque l'on rentre une adresse URL erronée. On y retrouve un téléphone tournant sur lui-même avec à côté un texte nous indiquant que nous avons été trop loin. Si l'on clique sur le texte en bleu en dessous, nous sommes renvoyés sur le site de Welcome Home. Par contre, si l'on clique sur le téléphone, une nouvelle page s'ouvre devant nous. Écoutez plutôt. La mélodie que nous entendons tient son origine d'une chanson que nous ne pouvons pas mettre ici pour des raisons de copyright, de droit d'auteur. Mais ce que l'on peut vous donner, par contre, c'est l'auteur ainsi que le titre. Il s'agit d'une chanson de Bing Crosby intitulée Beautiful Dreamer. Allez l'écouter et vous allez voir, c'est exactement l'air que nous avons entendu plus tôt. La voix que l'on entend sur cet enregistrement est celle de Wally. Et cette chanson viendrait, d'après ce qu'il dit, à l'origine de son ami Barnaby. Mais si l'on écoute bien, on se rend compte que Wally chante cette mélodie à quelqu'un. On entend une réponse qui lui est donnée, des genres de cling, des clongs, des bangs. Mais quel est le seul personnage qui n'a pas la parole et qui pourrait ainsi répondre de cette manière? Et bien, je vous le donne en mille, ce personnage est notre fameux personnage mystère, Home, la fameuse maison de Wally. Ceci nous montre une chose, c'est que Wally et Home communiquent entre eux. Et qu'aux yeux de Wally, Home est un merveilleux rêveur. Cette fois-ci, nous sommes sur une page unique, laquelle semble être un storyboard d'un des épisodes de Welcome Home. Plusieurs morceaux de texte se superposent. Le sujet nous semble ici important. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un message qui nous est destiné. Help, signifiant « à l'aide ». Au centre de l'image se trouve un encart présentant une suite d'images, lesquelles présentent les personnages de la série. Il sera à noter que l'encart se termine sur une couleur bien spécifique, le rouge sang. Ce nouvel URL nous amène sur une page sombre, sur laquelle on retrouve Home. Sa particularité, c'est d'avoir, au lieu de son regard habituel, celui d'un autre personnage en superposé, Wally. En dessous de Home se trouve un texte.
Si l'on clique dessus, rien ne se passe. Si l'on clique dessus, rien ne se passe. Alors là, nous sommes en train de monter la vidéo. Nous sommes le vendredi 14 avril 2023 et il y a eu une petite mise à jour. Comme on peut voir, cette maison ne présente plus seulement les yeux de Wally, mais une série de regards provenant des personnages de la série The Welcome Home. Est-ce que cela pourrait être, par exemple, être un indice qui nous mettrait sur une piste? Une piste qu'on développera un petit peu plus tard, tout à la fin de la vidéo en fait, qui nous indiquerait que peut-être qu'il y aurait deux Wally? Peut-être? Ou que Wally aurait plusieurs personnalités? Suivant ce nouvel URL, nous allons encore une fois tomber sur une page sombre. Un texte énigmatique nous fait comprendre que Wally, dont le regard tremblant nous fixe droit dans les yeux, n'est pas ni qui on croit, ni ce que l'on croit. Est-ce que là, Wally aurait des soucis? Ou, comme on l'a dit un peu plus tôt, présenterait-il une double personnalité? Nous verrons donc tout cela en conclusion, hein. Mais il est certain que désormais, quelque chose ne va pas avec Wally. Quelque chose de sombre se trame clairement dans cette histoire. Nous voici arrivés à la dernière page cachée, et regardez bien ce que l'on y trouve. Quelques points ici sont à soulever. Le son, premièrement. On entend clairement qu'il y a quelque chose en arrière-plan, quelque chose d'indistinct, mais qui est là au travers de la bande sonore. Hélas, pour l'heure, personne ne semble en avoir trouvé l'origine et nous avons été incapables de le trouver. Personnellement, moi j'y ai entendu une sorte de complainte, mais rien ne permet de dire exactement de quoi il s'agit. Par contre, on trouve une seconde chose sur cette vidéo. Il s'agit d'une paire d'yeux, appartenant vraisemblablement à Wally, apparaissant sur quelques frames. Nous avons fait un peu de Photoshop hein, pour les faire ressortir en appliquant les yeux de Wally trouvés sur une autre image. Wally serait-il enfermé quelque part? Encore des questions, hein. Est-ce que c'est lui qu'on entendrait en arrière-plan? Il est une image émanant de Welcome Home que l'on retrouve sur le compte Tumblr de clown. Elle représente Frankie et Julie en train de jouer autour de ce qui pourrait s'apparenter à un gâteau. En bas de cette image se trouve un texte. May you home be, ou laissez votre maison être en français. Ce qui est étrange ici, c'est que lorsque la même image a été transposée au site internet, alors son texte a changé pour devenir will be right back, ou en français, nous allons revenir tout de suite. Nous n'en dirons pas plus sur cet indice, nous n'allons pas plus le développer, car pour l'heure, il reste très obscur, mais au moins, il a le mérite d'exister.
Ici, à gauche, on retrouve une pièce originale de la série, qui avec le temps s'est grandement détériorée. Mais heureusement pour nous, l'équipe de la WHRP a travaillé dur pour nous reconstituer l'image originelle, ici à droite. Mais il y a quelque chose d'étrange sur cette image. Il s'agit de ce texte. Heureusement pour nous, un utilisateur de Tumblr, Fruit Rollup One, a réussi à le décrire, ce qui nous évite ici une tâche fastidieuse. Voici ce que dit ce texte. Parfois, une famille se compose de trois frères et sœurs, et toi. Julie a deux sœurs et un frère également. Franny aime parler, et Bea aime chanter. Jonesy aime quant à lui tout ce qui est amusant. Ce texte, mystérieux bien entendu, nous en apprend donc un peu plus sur cette fameuse Julie. Cette jeune demoiselle, hein, rappelez-vous, qui a grandi dans une grotte à l'extérieur du village de Neighbor, dans les forêts sombres l'entourant. On sait désormais que cette dernière a deux sœurs et un frère, mais ce que l'on apprend également, c'est qu'apparemment, ils n'ont pas été élevés par des parents. En effet, ces derniers ne sont pas mentionnés, il semblerait que cette fratrie a grandi par leurs propres moyens. Continuons notre pérégrination en abordant un nouveau détail, celui d'un prénom qui apparaît sur la page About Us. En bas de la page se trouve une suite de questions à laquelle l'équipe de la WHRP répond. Et l'une d'entre elles nous apprend un détail dont nous n'avons pas encore parlé jusqu'à présent. Bien le voici. Connaissez-vous une personne ayant travaillé pour Playfellow Workshop ? Ou êtes-vous vous-même un ancien employé ? Non, et je ne suis pas affilié avec la compagnie. Mais nous connaissons un certain Ronald Dorlane. Il doit en être le créateur. Nous trouverons les autres noms également. Ronald Dorlane. Voilà un prénom et un nom sortis de nulle part. Plusieurs personnes au travers d'Internet ont bien entendu cherché à savoir de qui il pouvait s'agir. Car d'après la WHRP, c'est lui qui est à la base de Welcome Home. Mais du coup, la question se pose comme d'habitude, est-ce que cette personne est réelle ? Eh bien, nous avons enquêté sur le sujet, et rien ne semble amener à une réponse affirmative. Toutefois, mon cher Yann, un utilisateur de Tumblr a fait une découverte fort intéressante. L'anagramme de Ronald Dorlane, ou plutôt R. Dorlane, pourrait être Ed Lorraine. Ed et Lorraine sont deux prénoms appartenant à deux personnages emblématiques du monde de l'exorcisme. Il s'agit de Ed pour Edward Warren et de sa femme Lorraine Rita Warren. Tous deux sont des spécialistes des sciences occultes et sont connus pour avoir travaillé sur des cas comme la famille Perron ou encore Amityville, hein, connu pour le film tiré de cette étrange histoire. Si vous souhaitez par ailleurs en apprendre un petit peu plus sur ces personnages, allez donc faire un tour sur la chaîne de Occulture, je vais mettre un lien vers leur chaîne quelque part par là, et vous allez voir qu'ils ont travaillé sur plusieurs vidéos traitant de sujets abordés par la famille Warren. Est-ce que du coup, ici l'auteur n'aurait pas voulu nous faire un petit clin d'œil pour nous montrer que son histoire possède une part d'ésotérisme ? Pourquoi pas ? Il reste une dernière page du site internet, dont nous n'avons pas encore parlé. Il s'agit de celle-ci. Cette page nous apprend et nous confirme que Welcome Home est plus qu'un simple show télévisé, hein, dans lequel les personnages hauts en couleur vaquent à leurs occupations dans un monde fleuri et merveilleux. Salut, mon nom est Clown, je vais vous parler de mon projet, Welcome Home. Welcome Home est un projet horreur, se concentrant sur la découverte d'un mystère inclus dans une série pour enfants des années 70. Vous allez accompagner une troupe de marionnettes colorées, les bienheureux Neighbor, qui, au fur et à mesure, s'enfonceront dans la perversion et se plongeront dans de tortueux souvenirs cauchemardesques dont ils ne se souviennent que peu. Le ton ici est donné, nous sommes face à un RG qui souhaite nous tirer vers le bas, qui souhaite se jouer de notre psychologie, qui souhaite torturer nos souvenirs d'enfance et ceux de ses protagonistes. Puis il y a cette strophe qui pourrait être un indice sur le fond de l'histoire dans laquelle nous sommes plongés. Une maison est une place avec quatre murs et un plancher, avec un toit au-dessus et une merveilleuse porte d'entrée. Il y a un lit pour se dorloter, en sécurité à la nuit tombée, et une fenêtre d'où surgit la lueur du soleil en matinée. La maison est le reflet de ce que vous représentez, une image pour que jamais
vous ne vous égariez. Nos maisons sont, d'après cette strophe, d'après cette courte poésie, le reflet de ce que nous sommes, nos phares dans la nuit. Home, la maison de Wally, est Wally. Elle est son reflet, elle est son phare dans la nuit. Voici un indice qui nous montre donc un petit peu plus vers où se dirige cette histoire. Car il faut vous le dire, mais Yann et moi-même avons quand même lu pas mal de théories sur l'histoire de Welcome Home. Et toutes semblent s'accorder au moins sur une chose. C'est qu'il existerait au sein de l'histoire plusieurs Wally. Au minimum deux, certains prétendraient même qu'il y en aurait trois. Il y a le Wally gentil, celui qui sourit, celui qui est haut en couleur, toujours de bonne humeur, et le Wally autre, celui qui gît en dessous, celui qui ne sort pas de la maison, celui qui est la maison. Et dans les théories développées, il y en est une qui nous a beaucoup plu. C'est celle qui prétendrait que le Wally gentil, hein, celui qui se présente à nous tout sourire, serait en fait une sorte de clone diabolique du vrai Wally, qui lui serait enfermé dans le corps de House. Et ce serait d'ailleurs la raison pour laquelle House est vivante. Par ailleurs, hein, plusieurs images pourraient en effet appuyer cette théorie. Cette image, par exemple, nous montre un Wally dans Home, sortant à peine sa tête en dehors, avec ce petit texte. Le voici. Sur cette autre image, on voit Wally faire son show. Mais les couleurs sont fades, le regard de Wally n'est pas celui d'un personnage joyeux, mais surtout, en arrière-plan, se trouvent deux mystérieuses silhouettes, ne possédant pas d'expression faciale, pas de trait de visage, comme si leur mémoire avait été brouillée. On voit ici derrière Julie une créature dont le dessin des mains torturées ne sera pas sans rappeler le genre de main que l'on voit souvent dans les films de morts-vivants. Le personnage sombrissime tient à la main un marteau, lequel semble être enrobé de sang. Ici, on retrouve encore Wally, mais cette fois-ci, ce dernier paraît être en proie à la folie. On sent que quelque chose ne va pas. Et des éléments de la sorte, allant dans le sens de la théorie de comme quoi il y aurait effectivement deux Wally, il y en a d'autres. Mais pour l'heure, il nous est impossible de tirer conclusion de quoi que ce soit. Et pour cause, Welcome Home n'en est qu'à ses débuts. Rien n'est encore joué. Et il faut ajouter que tout n'a pas encore été découvert. Il existe encore plusieurs codes, dont personne, jusqu'alors, n'a encore trouvé la solution. Par exemple, sur cette image, sur laquelle on voit un téléphone, ce dernier est brisé et laisse entrevoir une partie de son intérieur. Et le texte en dessous pourrait être un nouvel indice. Alors au passage, hein, Alter et moi, on ne peut pas s'empêcher de voir au travers de ce téléphone une sorte d'allégorie du monde de Welcome Home. Les 8 boutons au centre excentrés pourraient représenter les 8 personnages humanoïdes, ou plutôt les 8 marionnettes, tandis que le dernier rouge sang en son centre serait la représentation du 9e personnage, le personnage mystère, Home. Puis il y a cette autre image, hein, semblant également contenir une énigme. Mais ce qui marque sur cette dernière image, c'est cette main émergeant de la bouche de Wally. Est-ce la main de la personne manipulant sa marionnette dans le show, ou est-ce une métaphore qui nous indiquerait que quelque chose essaie d'émerger de l'intérieur du personnage, quelque chose de sombre, d'humain ou d'inhumain? Vous l'aurez compris, hein, Welcome Home a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à nous dire. Et nous n'en sommes qu'au début, nous n'en sommes qu'aux prémices. Mais il semblerait que son créateur, par rapport à d'autres ARG, soit totalement dédié à son œuvre, puisqu'il a ouvert une cagnotte d'autofinancement lui permettant de gagner de l'argent grâce à son œuvre. Et s'il gagne des sous grâce à cette dernière, on est en droit de se dire qu'il ne la mettra pas de côté de sitôt, et qu'il va continuer de la développer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui, je pense qu'avec avec Alter, on a un petit peu fait le tour de ce que représente ce nouvel ARG, de ce qu'il y a à découvrir en son sein. Désormais, vous avez toutes les clés entre vos mains pour aller le découvrir par vous-même, pour aller visiter ses entrailles. Si vous avez des théories, des idées, hein, n'hésitez pas à les développer en commentaire, bien entendu, on les lit tous, il n'y a pas de souci. Et pour nous aider, comme d'habitude, le petit pouce, hein, le petit partage, enfin, tous les trucs que YouTube aime bien. Bah, allez, sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, bye. Ouais, ciao, en effet, et à la prochaine.